Bah, c'est cramé, hein, pour ta viande. Merde. Comment ça se fait? Fais chier. Ok. Ouais, ça ira beaucoup mieux pour la santé. Ah, mais putain, mais c'est génial. Bon, on aura juste soif. Pas grave. Ah bah voilà, j'ai ultra soif. Putain. Bah ouais, si on mange. Bah ouais. J'espère qu'on trouvera vite de l'eau. On est bon? Ouais. Je mange. Ouais. La viande, elle peut pas périmer une fois qu'elle est cuite, si? Si, si, elle peut. Mais t'inquiète, elle aura pas le temps, à mon avis. Elle aura pas le temps, l'eau, ouais. Ça marche, j'ai remonté ma vie un petit peu. Impec, par contre, c'est par où? J'ai juste fait ma dernière viande. Ouais, et j'ai du poisson. Le poisson, on peut le cuire ou pas? Ouais. Bah, je vais juste cuire ma viande alors d'abord. Parce que j'ai pas envie qu'elle périme. Allez, eh bien, salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, les 16h. J'espère que vous avez toutes et tous très bien et que vous avez apprécié le premier épisode, bien évidemment. On va dans le mauvais sens, Gabi, c'est incroyable. Mais non, je sais pas, ah, en fait. Tout, moi, je sais pas. Eh oui, mais je comprends plus rien à ma vie. Voilà, c'est incroyable, on est bloqué dans une grotte, c'est un régal. Bien évidemment. Non, parce que... Hein? C'est grave. Non, mais ça coupe, j'ai pas compris. J'ai pas... Comment ça, ça coupe? Je télécharge rien. Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Ça coupe pas. Attends, je rapproche un petit peu le micro. Voilà. Vas-y, parfait. On est dans le mauvais sens. Non, non, c'est bon, c'est bien par là. Mais j'ai l'impression de voir cette bouée 3 fois par jour, là. Mais parce qu'on... Parce que comme on est mort, je te rappelle, mais en fait, on a été remis en arrière. Et là, on était allé à droite, du côté de la croix à l'envers. Et alors qu'il fallait aller à gauche, c'était un soleil. Non, mais viens, on termine à droite quand même. Faut qu'on se la termine quand même. Et ouais. Bah si tu pouvais m'attendre parce que je vais encore mourir. Mais non, de toute façon si tu me vois courir c'est qu'il y a rien. Ah si justement. Ah si. Ah si si. Ah si. Couché. Oh la vache. Ah quelle horreur. Y'a pas à boire là, hein. Bah ouais, mais si tu me mets des dégâts. Merde. Là je t'ai pas frappé. Si si, tu m'as frappé mais c'est pas grave. Oh désolé. Eh ben, c'est super. Ils sont trop chauds, hein. Oh putain! Non, ça sert à rien, viens Gabi, on recule. On va pas... Faut vraiment pas hésiter à reculer et tout, parce que... Et à parer les coups, quoi. Non, viens, viens Gabi, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. J'aime pas ton jeu. C'est bon, lui il est mort. Ah mais ils sont tous morts, c'est bon. MDR. Ils se sont tués entre eux. Allez, bah bien fait. Je suis mort, excellent. Gabi. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Ah, là il faudrait... Parce que je mangeais. Ah. T'arrêtes de critiquer tout ce gars. Non parce qu'en fait, on abandonne, c'est pas grave. On va sortir, on va abandonner la grotte, on n'est pas prêt. Non parce qu'en fait la strat, Gabi, mais là du coup on l'a foiré parce que tu t'étais arrêté, mais c'est pas grave, j'ai pas fait attention. En fait la strat là dans ce genre de moment, il aurait fallu juste qu'on rush à fond jusqu'à la fin de la grotte. Et comme ça eux ils ont même pas le temps de se réveiller ou quoi. Mais j'avais pas checké derrière. Et ouais. Bah là ils sont réveillés. Donc on va aller se faire foutre. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée non plus d'aller là-bas. Tu veux essayer? Il nous suit. Ah, je suis mort de rire. Ah, ça me bute. Bon, allez, on se barre. Oh non. C'est que là, il va nous suivre jusqu'à dehors. Hein. Casse-toi. Cours, putain. Attention, il est derrière, derrière. C'est pas vrai. Sors de cette putain de grotte là, la con. Oh, sors. Oh. Mais y'a rien. Mais y'a des putains de chauves-souris à la grotte là. Ah. Il fait nuit dehors. Ah. Il fait nuit dehors. Alors nuit ça c'est pas bon ça. Ouais. Alors on va éteindre ça pour faire plus de discrétion. Et est-ce qu'on peut boire? Je sais que c'est dégueulasse mais là moi il faut que je bois parce que sinon je vais mourir. S'te plaît.
Putain, je peux pas boire. Sinon, okay, on retourne notre temps. Oui, t'as raison, on va faire ça. L'eau, elle est un petit peu, peut-être un petit peu plus pure. T'as raison. Même si on aura que dalle. Je suis la mer pour le moment avec moi là. La mer, c'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer, qui prend l'homme. Ouais, ça sert à rien ça. Survivor, survivre day one. GG. Pourquoi j'ai pas l'achievement? Parce que tu l'as déjà eu toi. Mais. Vas-y, là je crois qu'on peut boire. Pas encore. Puis, mais j'ai plus de vie en fait, je cours et. Enfin, j'ai plus de run. Ouais. Bon, ne pas reproduire les enfants sauf en cas d'extrême soif comme là actuellement. Ah. Et moi, ce que je te propose, c'est que on reste là, je mets la bâche là rapidement et on dort. Marche. On va se dépêcher. Je suis d'accord. Allez, go. J'ai pas un autre bâton. Surtout qu'il y a pas trop de vent, donc on est pas mal. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, t'es. Ah. Là, il éclaire la tronche. Eh putain, t'as ronflé comme un. Ouais, je sais pas, c'est tout. Hein. J'ai entendu pendant la nuit. Et ouais. Alors, là maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il est beau le jeu. Il est très beau, hein. Il est très beau. Merci, tu merci. M'as peint. Non, le jeu. Ah. Soit on va donc au point d'exclamation que je te disais. Mais en même temps, on n'a pas de vie, putain, c'est quoi cette histoire? Ouais, mais on n'a pas le choix. Faut qu'on suive les chemins et on va trouver des trucs, des soins, des. On va trouver des trucs, Gabi. Et la force, c'est quoi ça, le bras? C'est la santé? Le bras, c'est la force, ouais. Non, c'est la force. Et ben... En gros, tu passes de niveau, plus ça va... Non, c'est pas ça, c'est pas une histoire de force ou quoi. C'est en gros, plus tu vas couper du bois, plus tu vas faire des attaques, et ben plus ça va passer de niveau et tu vas être de plus en plus vilaine. Ah oui, c'est le mot. Voilà, une petite lance. C'est plus sympa. Ah, j'espère on va avoir des petits trucs sympas parce que là je sais pas, je suis pas sûr de là où on va. Des fleurs. Ah. Hey, regarde-le. Tu vois pareil que moi. Un rocher dans l'arbre. Hop là. Eh ben c'est bien. Oh, il y a déjà un vilain. On va l'ignorer, viens, on va contourner. Parce que là moi j'ai pas de vie moi. En soi, si on les attaque, ils ne font nous rien. Si on les attaque pas, ils nous font rien, non? T'as cru? Ah, c'est un truc du genre, au moins tu les attaques, au moins ils vont t'attaquer. Il a attrapé du poisson là. Pas du tout, pas du tout. C'est quoi ça? Ignore-le. c'est une guitare, c'est Kenji. Ah ok. Ah, c'était pas vraiment Kenji ça, mais j'aime bien. J'aime mieux que cette ref là, désolé, sur l'instantané. Sur l'instantané, regarde le beau village là-bas. Instantané, je vois surtout un beau village de cannibales. Ouais, mais il y a des loots. Et ça me plaît. Ouais, et il y a surtout un gros beauf là, avec une énorme batte qui va nous attendre, je parie. Mais non. Là, faut vraiment récupérer tout ce qu'on peut récupérer parce que là, ça régale. Hein. Là, c'est cadeau. Hein. Hop, des ampoules, super. Du tissu. Des piles. M'en fous, moi, je veux boire. Oh, une bâche! Bah, c'est bon, j'ai ma bâche. Eh bah, parfait. Ça régale. C'est sympa. Il faut pas la pelle à un moment qu'on débloque quelque part. Ouais, tu peux utiliser la pelle bien évidemment, mais ça c'est dans une grotte beaucoup plus dure que ce qu'on avait eu. Bah, j'ai pas envie. Donc pour le moment, oui, on va aller se faire foutre. Eh, j'ai débloqué un blazer collecté. Un quoi? Montre. Ah ok. Une montre collectée, un blazer, de l'argent, une montre, de l'argent, du tissu, des os, un couteau. Et toi, t'ouvres pas les caisses, hein? Je les ai ouvertes? Ah non. Non, tu les as. Voilà. Mais je suis full. Oh, des conserves, c'est parfait, les conserves. Ah oui, bien vu. Et toi, t'ouvres pas les caisses? Bah, j'ai pas tout. Ouais. T'as raison. Mais toi, tu prends que l'argent, toi, t'es une michto. Bah, j'aime bien l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Un conseil, lance pas ton bâton, c'est ouais, tu donnes juste des coups. Ah! Tu casses! Ça, c'est bien ça.
Voilà. Oh, salope. Pardon. Aïe. Tu m'en as mis un de ces coups. Non, 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 c'est pas moi. Si, si. Allez. Non, je me donne ton arme. Mais non, on peut pas avoir l'arme. Allez, on s'arrache, on s'arrache. Gabi, on va prendre cher sinon. On va juste piller rapidement et on se barre. Bonjour. On fait que passer, hein. Voilà. Désolé. Voilà. Allez, salut. Aïe. Gabi, voilà. Allez, go. Oh, dommage. Allez, je me suis tué. Ah. Wesh, elle est violente, faut se barrer, hein. Oh. Ça, c'est la nouvelle du patch 15. Ah ouais, j'aime pas. J'ai plus beaucoup de... Ok, alors... récupère, récupère, récupère. Je te couvre. Vas-y, vas-y, avance. C'est bon. Allez, ça dégage. Ah, ouais. Ah putain. Oh GG. Oh bien joué ça. Et à mon avis le point d'exclamation c'est vraiment ce que j'imaginais, mais du coup je suis con parce qu'on n'a pas l'appel. Mais... Et il nous faudrait l'appel. Eh merde. Non c'est pas sûr. C'est pas sûr. Bambino, Bambino. Ah non, non, c'est bon, c'est pas ça, c'est pas ce que je croyais, putain. C'est nouveau ça. Un des petits écureuils partout. Ok. Ah oui, si, 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 si. Ah la marmite, prends la marmite, c'est parfait ça. Impeccable. Et là, tu peux remplir la marmite avec l'eau là. Comme ça pour la faire bouillir et elle sera bonne. On pourra même faire de la soupe. Du coup ouais là le point d'exclamation on peut pas, c'est il faut creuser. Mais c'est pas grave parce qu'au moins on va aller sur la plage là-bas. On va aller à l'autre point d'exclamation parce que j'ai une surprise pour toi. Non, j'aime si pas j'ai... tes surprises moi. Ah bon? Bah super. Non mais dans Sons of the Forest en tout cas. Bah ça va, on est dans Sons of the Forest. Mais ah, regarde comme c'est beau. C'est beau. Moi hein. Je vois surtout un petit fond derrière moi qui me suit. Oh non, t'inquiète. Les cannibales, ils me font moins peur que les indigènes. Parce que les cannibales, oh, t'as vu, ils sont trop cons en fait. Oh, un petit bateau. Oh, regarde le petit bateau. Alors, moi, je veux mon arc. Et la tortue juste en t'as dessous. T'as fait fuir la nourriture. Hein? T'as fait fuir toute la nourriture. Ah, mais c'est pas grave, on en aura plein là au bord de la plage. Il y a plein de biches. Mais laissons-les vivre. D'ailleurs, tu sais ce qu'on est en train de faire actuellement, Gabi? Non. C'est un jeu dangereux. Quoi? Parce qu'on se promène pas sur les chemins, on est des fifous. Ça veut dire à tout moment... quelqu'un te voit, mais toi tu le vois pas, quoi. Ah bon? Comment ça? Dans les arbres? Oh, ça peut être les arbres, ça peut être les hautes herbes. Arrête de me faire peur là, en plus t'as une voix en mode je te taquine pour te faire peur et j'aime pas ça. Fais peur, c'est justement tu réussis ce que tu fais là. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais? De la scopeuse, là, je t'ai expliqué ce qui s'était passé, que j'avais rage kit et désinstallé. Ouais, ouais. J'avais peur kit et désinstallé, bah ça peut être aussi rapide sur The Forest là. Oh, purée, il est des pommes de terre. Eh, Gabi c'est la championne quoi, elle a peur d'un jeu, elle désinstalle. Bah, c'est expéditif et c'est rapide, c'est les deux à la fois et ça marche très bien. Bon, il me faut une heure quand même après pour le réinstaller et pour me remettre dedans, mais ça va. Non, non, regarde, là franchement le jeu est paisible, le jeu est beau, il y a juste quelques petits cons et puis c'est tout. Hein. Rien de bien. Voilà, pas de quoi paniquer. J'ai une question, Gabi, t'es pas thalassophobe? C'est pas les araignées ça? Bon, ça va, alors c'est que t'es pas thalassophobe. Non, thalassophobe, c'est les araignées, la... Tu sais, c'est quoi la thalasso... Je sais pas, moi. Dis-moi c'est... le vrai nom. C'est l'océan. Oh putain, non. Du coup, t'es thalassophobe ou pas? Dans la vraie vie, en fait, oui. En vrai, oui.
Ok. Genre, et ça passe en fait. Et si je regarde pas, si je, vraiment je nage au-dessus, ça peut le faire en vrai. Ok. Bah j'ai réussi à jouer à Subnautica, mais j'allais jamais en dessous de 30 mètres de profondeur, mais bon. Ok. Non, parce que la thalassophobie, c'est quand t'as peur de pas voir les fonds marins. Bah c'est ça, je déteste okay. ça. Ok, ok. C'est très très bon à savoir. Plein de trucs au fond des océans, on sait jamais. Genre un Godzilla. Ouais. Ou Avatar. Ouais, voilà. C'est le mec qui avait envie de caler la ref. Ouais. Regarde, c'est super mignon ici. J'ai soif. Le soleil me crame là. Non, ça, t'as soif ? Ouais, j'en mets soif dans le jeu, ouais. Ok, du coup, ce qui est cool, c'est que ce qu'on va faire, c'est que tu vois le flanc de plage là qu'on va choper là-bas ? Après ouais. Les points d'exclamation. Et ben, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on va se poser là-bas un peu plus longtemps que prévu. Enfin, voilà, si ça te va. Enfin, tu verras le lieu. Et comme ça, on va se faire le feu, on va faire bouillir l'eau, on va se faire une belle petite. Je pense une petite base en vrai. Cabane. Ouais, si tu veux, ben moi je te suis. Hein. Et puis, comme ça, on peut boire, manger, faire la fête, tout ça quoi. Tu me diras. Moi, je me suis jamais installé là-bas durant une aventure, donc ça peut être pas mal. Et on n'est pas dans la forêt, donc peut-être que ça te plaira. Ouais, j'aime bien les espaces ouverts. Ah, c'est bien ouvert. C'est bien ouvert et il y aura les arbres pas loin. Oh, c'est trop stylé. C'est joli. On n'est pas revenu à notre point de départ là-bas ? Non, c'est pas le même. Alors, ah ouais ? Notre point de départ, si t'as grandi la map... Oh, tortue ! Oh, vas-y, fume-les. Il nous faut les carapaces. Bah... Hop, ça dégage, la racaille. Moi, tortue, je suis désolé. Ça te fait mal au cœur ? Ah ouais, non, mais là... Ah, mais... Et tu sais que ça va être notre source de nourriture principale au bord de l'eau. Hein. Oh, petit chou. Petit chou à la crème. Petit chou à la tortue. Oh putain, la coquille, elle est partie. Oh, je t'ai volé la viande. Ah, j'ai une tête de tortue. Bah ouais, bah... Ça fait quoi si je te lance une flèche ? Ça fait que je vais mourir et ce serait dommage, vraiment. Ouais, bah rends-moi ma viande. Je vais te la donner, t'inquiète. En plus, ce qui est cool, c'est que là, du coup, on va pouvoir faire des collecteurs d'eau. Donc on va avoir l'eau sans problème quand il va pleuvoir. Génial. Voilà. Bah écoute, tu sais quoi ? À partir de maintenant, je te laisse décider de là où tu veux qu'on s'installe. Donc ça peut être plus loin, ça peut être ici. Bah, j'aime bien la petite falaise là, mais je crois pas que ce soit plat. En plus, il y a un truc en haut, non ? C'est pas un village en haut, ça ? Je crois pas, sauf si ça a changé. Non, c'est pas un village, c'est juste une truc. Ouais, ouais. Un point de vue. Un point de vue. Et bah voilà, on peut construire autour de ce point de vue. Non, c'est comme tu veux, on n'est pas obligé. On peut aller plus loin ou... Après, on sera toujours embêté, hein, de toute façon. Comme tu veux. Après, niveau arbre aussi, il n'y a pas énormément de bois, là. Ça peut être compliqué. En vrai, on se mettrait pas sur la baie, là. Bah, tu sais quoi ? Commence à faire un petit feu. Ouais. Comme ça, tu peux faire cuire à manger. Et tu fais aussi collecteur d'eau. Et un étendoir. Je t'en demande beaucoup. Alors attends, on va faire un par un. Déjà le petit feu. Ouais. Moi avec... je te ramène le bois. Et c'est vraiment c'est très comment on dit, patriarcal. L'homme il coupe le bois, la femme elle fait la cuisine. Au secours. Oh la vache. Ah je suis désolé hein. Oh putain, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Je vais faire cuire mon petit poisson. Vas-y. Ah bah non, il est déjà cuit lui, je suis con. Ah. Ouais, et fais en priorité le collecteur d'eau parce que s'il pleut, genre là dans 2 secondes, c'est juste parfait. Même comment si je doute. Là, c'est en ouvrant le bouquin. Et tu vas trouver le collecteur d'eau, donc ça va être avec carapace et stick. Il faut que tu fasses la fabrication. Ah, je l'ai vu, c'est bon. Ouais, bah ça va. T'inquiète. Ah, j'ai plus de bois. Par contre, j'ai la tortue. Je vais chercher du bois. Voilà, les brindilles. C'est bon. Vas-y, vas-y. Alors, inspection. On est loin du 30 mètres carrés, hein. parce que si je me mets là, imaginons qu'il y a des chiottes quand même. Et petit canapé. Et si on met tout à l'intérieur, ça n'a pas assez de place en vrai.
En fait, ouais. Je pense que tu peux encore allonger de deux bûches au moins. Vers là choc, comme côté. Ouais. Ok. Tu vois, parfait. Ok. Comme ça, quoi. Ouais. Ok. Là, comme ça, on fait l'entrée, et puis après, tout du long, on met les trucs. Quitte à faire, en fait, un U, en fait. Ah ouais, ouais. Oh, putain. Ah ouais. Comme ça, on met l'entrée, en fait, au milieu, au pire. Vas-y. Et des deux côtés, on fait des pièces adjacentes. Voilà. Allez, dis-moi que c'est prêt. C'est prêt. Ok. Ouais, tu peux mettre ta casserole aussi, et puis comme ça, tu pourras boire, et t'auras un petit peu d'eau, quoi. De la bonne. Ça marche. C'est de la bonne. Ça te remplit à moitié tout le truc d'eau, donc c'est légendaire. Allô ? Ah bah si, il va encore plus loin. Mais mon arbre, il s'est cassé à l'autre bout de la terre. Kevin, en fait, il ramasse les bûches que j'ai coupées, quoi. C'est tout. C'est... Ouais, bah en l'occurrence, parce qu'il y en a qui traînent, donc il les ramène. Après, sinon, il coupe lui-même. Ah ouais, il est loin le cours d'eau, putain, Gabi, ça craint. Non, reviens, ça sert à rien. Faudra faire ça demain. Dans la mer. Tu peux pas prendre l'eau de la mer, malheureusement. Dommage. Ouais. Ah, c'est moi qui gueule, enfin, qui est épuisé comme ça, comme une truie. Ah, c'est une belle imitation d'une truie, ça. Oh, regarde, il y a une dame qui arrive, une autre dame. Ah, elle est gentille, non? Elle est gentille. Ça veut dire quoi, ça? Bonjour, madame, il faut pas lui faire peur. Bonjour, madame. J'ai l'impression de revivre le début de ma relation avec elle, c'est incroyable. Oh, elle danse. I'm singing under the beach. C'est très joli, madame. Voilà. Et elle sert à quoi, en fait, elle? Bah, après, une fois que une fois que les relations sont faites, et ben après, elle te défend. Elle fait que te défendre. Elle tue les ennemis, tu lui donnes une arme et tout. C'est trop bien. Et ouais. Ok, bah écoute, on va devoir s'en arrêter là, malheureusement, Gabi. Ouais, bah ouais. C'est chiant. Tu manges pas mon poisson, toi, Hélène. Mais il est pourri, le poisson. Mais c'est pas grave. Laisse-leur. C'est toi, la vilaine. Ah, j'ai très soif, moi, par contre. T'as peut-être des boissons énergétiques sur toi. Énergétique. Ouais. Boisson énergétique. Boire. Parfait. J'ai de l'alcool aussi. Bon, ça, c'est moins cool.